On a tous sur nous quelque chose de Dominika Graziani. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette femme est à l'origine d'une invention révolutionnaire dans le domaine de la santé, et aussi impitoyable que cela soit, cette histoire est oubliée. Loin de nous l'idée de rendre la justice, disons plutôt qu'il était temps de retracer un parcours hors du commun, avec ou sans filtre. Par ici que ça se passe. C'est émouvant. De voir mon grand-père entouré par ses 7 garçons. 7 7 garçons et une fille qui n'est pas sur la photo. Elle n'avait pas le droit d'y être, elle. Sans doute. On est où, là? Là, on est à Campité, chez mes grands-parents paternels. Donc. Tous ces enfants sont ou agriculteurs, ou bottiers, ou militaires. D'accord. Lui-même d'ailleurs, il est agriculteur aussi, votre grand-père. Oui, mon grand-père est agriculteur. Vous avez eu l'occasion de le connaître un petit peu ? Oui, bien sûr, je l'ai bien connu. C'était un homme, un grand travailleur. François. François. François Graziani. Qui ne parlait pas beaucoup, mais qui travaillait beaucoup. Ah, il ne parlait pas beaucoup, lui. Non. Et il a eu un enfant. Mon père. Parmi ceux-là, donc parmi les 7. On le voit un petit peu d'un peu plus près ici, là. Là, il est militaire. Il a été rappelé pendant la guerre et il est au Maroc, parce que son régiment a été muté au Maroc. Il est au Maroc avec un ami. Comment ça va se passer la guerre pour lui? Ça a été terrible parce qu'il a perdu des frères en guerre et des suites de guerre. Combien? 4. Parmi la photo qu'on a là, il y en a quatre qui ont disparu. Guerre et suites de guerre. Et avant de partir à la guerre, vous allez m'en parler là de votre papa. Il fait la rencontre de sa vie. De sa vie, maman. Xavier Sammarcelli, de Bigorne, 2 km, le village à 2 km. C'est en se promenant le soir. Qui rencontre Xavier? Il rencontre Xavier. Et là, ils sont assis sur le lavoir. Et ce qui est magnifique sur cette photo, c'est qu'il respire la jeunesse et la joie de vivre. Mais dans quelques temps, il va aller au Maroc. Ils savent qu'ils vont se quitter, oui, là. Ils savent qu'ils vont se quitter. C'est un truc de dingue. Alors parlez-moi un petit peu justement. Maman tombe enceinte de moi. Et je nais donc pendant que mon père était en guerre. On va venir à vous tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ces deux... De ces deux tourtereaux. De ces deux tourtereaux. On commence avec votre papa, alors. Ignace. Ignace, papa, était un homme intelligent, ouvert, qui aimait beaucoup ma mère. Ça a été un couple exemplaire. Est-ce qu'il était aussi bavard que son papa, aussi peu bavard que son papa ou pas? Il était aussi peu bavard que son papa pour les choses de la vie courante. Mais par contre, il était avec nous plus tard, avec ses enfants. Il adorait raconter des histoires. Tous les soirs, il nous racontait des histoires. Ah, très protecteur. Il était très attentionné. Très attentionné. Mais il n'a jamais parlé de la guerre. Il ne nous a jamais parlé de ses... Mais par contre, il tenait à ce que vous réussissiez, je crois. Oui, il tenait à ce que ses enfants réussissent, entre guillemets. Ça n'aurait pas été du genre à ne pas mettre les filles sur la photo, lui? Ah non, pas du tout, au contraire. Et votre maman, Xavier Sammarcelli? Maman, pareil. Maman, elle était un peu plus austère que papa. Ça veut dire quoi, austère? Elle était... Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle avait des gestes d'affection. Ouais. Elle n'était pas démonstrative. Ah, elle était moins démonstrative. Elle était moins démonstrative. Et donc, entre cette photo, il y a la guerre, et ils retrouvent vos parents peu de temps après. Ils ont quel âge, là, quand ils se marient? 24 ans et 20 ans. Ils sont magnifiques, hein? Ils se sont aimés longtemps? Jusqu'à la fin. Ah ouais? En toute harmonie et tout dévoué à leurs enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre maman, dans la vie, elle? Elle a élevé ses enfants, mère au foyer. Et lui, il est redevenu bottier? Lui, il est redevenu bottier et a cultivé ses terres, nos terres. Donc ça ne roulait pas sur l'or, en fait, non, dans la famille, en fait. Hein? On avait ce qu'il faut, mais ça ne roulait pas sur l'or. Et d'autant plus qu'ils ont tenu à ce que leurs enfants fassent des études, donc nous étions tous les 4 en pension. Ok, mais avant la pension, il a fallu naître, Dominika. Il a fallu naître, voilà. Et allez, on va venir avec vous, venez. Parce que c'est très intéressant, en fait, l'histoire, votre histoire. C'est que là, on est toujours à Bigorne, là. Hein? Oui. Vos parents se sont établis à Bigorne, bien sûr. Campité, les Bigorne. Et là, vous êtes toute petite avec votre maman. Mais j'ai presque envie de dire que c'est une photo rare, ça. On ne vous verra pas trop souvent petite avec votre maman. Non. Non, parce que, justement, là, mon père arrive de guerre. La guerre se termine, il rentre. Et moi, il vous découvre. Il me découvre. Et c'est là qu'il décide d'aller vivre en plaine. Pourquoi? Pour vivre leur vie. D'agriculteur. Et ils décident de me laisser chez mes grands-parents. Ils ne partent pas avec leur enfant? Non, ils ne partent pas avec leur enfant. Ils me laissent chez mes grands-parents. Alors,
Je ne sais pas si c'était consenti ou pas consenti. Et comment ça ne peut pas être consenti? Ben, disons qu'avant, vous savez, quand les grands-parents disaient « on veut garder, je veux garder ma petite fille », les parents, c'était difficile pour eux de dire non. Ah bon? Oui. Et donc on vous retrouve là avec cette fameuse grand-mère qui veut vous garder à tout prix? Voilà, ma grand-mère, mon grand-père qui m'ont gardé, qui ont voulu me garder. Je me suis sentie abandonnée. Ah ben tu m'étonnes. Voilà. Et là, je suis avec ma grand-mère, bien qu'étant heureuse avec ma grand-mère, qui était une femme hors du commun. Ah bon, aussi, elle? Aussi. D'une extrême douceur, d'une extrême gentillesse. Mais elle n'a pas pu... Elle, en fait, qu'est-ce qu'elle... Elle ne pouvait pas se résoudre à vous laisser partir? Elle s'était attachée à vous, à ce point? Elle s'était attachée à moi, oui. Ah bon? Vous allez l'appeler comment, elle, alors? Maman. Ah, elle, vous allez l'appeler... Et votre mère? Maman, mais je la voyais moins souvent, alors. Okay. Je la voyais que pendant les vacances scolaires. Et là, vous faites quoi avec votre grand-mère, là? Vous avez quoi? Là, nous revenions d'une cueillette d'herbes médicinales. Ah, parce qu'elle était, elle était pas un peu guérisseuse, elle aussi, je crois. Enfin, elle donnait des conseils sur ce genre de choses. Et donc, nous allions ramasser les herbes et en revenant, on faisait de la soupe paysanne avec et en même temps des tisanes. Ça, c'était le soir, mais la journée, il fallait aller là. Ah, la journée, c'était l'école communale de Bigorre, où j'ai eu la chance de pouvoir y participer parce que j'étais la seule qui avait 4 ans. Ah oui, vous commencez tôt, vous? J'ai commencé tôt. Donc ça se passe bien à l'école à Bigorre, non? Très bien. Oui? J'étais bien entourée par deux institutrices qui s'occupaient de moi. J'étais la plus petite de la classe. Et on vous voit, hein, dans le fond, tout en voilà. Bas, toute mignonne. Donc ça, c'est des moments de bonheur, j'imagine, Bigorre? Des grands bonheurs, oui. Mais vos parents, ils vous manquent quand même, non? Bonheur, ça me tue ce que vous me dites, Dominica. Ben, je leur manquais certainement, mais bon, il n'y avait pas de démonstration. Surtout qu'ils avaient eu 3 autres enfants par ailleurs. Enfants, hein, voilà, ouais. Ils n'étaient pas seuls. Hein, ils n'étaient pas seuls, voilà. Et après, vous allez aller en 6e, vous allez quitter Bigorre pour aller à Bastia. Vous allez faire toute votre scolarité. Scolarité à Bastia. Au lycée Jeanne d'Arc. Au lycée Jeanne d'Arc. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. On n'en parle pas là, on n'en parle pas là-bas. Allez, venez avec moi. Place, Dominica. Et avec les photos dont je disposais, j'ai décidé de mettre celle-ci en avant. Voilà. C'est vous. Vous avez quel âge, là? 14 ans, sans doute. 14 ans, sans doute. Vous êtes période, effectivement, lycée à Bastia, Jeanne d'Arc. C'est ça. Mais vous êtes un petit peu différente des autres. C'est vrai. je vais m'expliquer. Parce que à peine le bac en poche... vous allez voir vos parents et vous leur dites quoi? Que je veux partir au Maroc. Quand vous dites ça à vos parents, encore une fois, vous êtes une jeune fille, vous n'êtes pas mariée. Hein, non. On est en quelle année là? On est en 60. En 60? Vous vous dites papa, maman, je veux partir au Maroc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ma fille, nous te faisons confiance. On te laisse partir, mais nous te faisons confiance. C'est beau ça. Oh. Effectivement, votre papa, il était moderne. Hein. Voilà. Donc je me devais d'honorer cette confiance. Je suis partie et je l'ai honorée. Vous arrivez, vous êtes logé chez les sœurs, oui, au Maroc. C'est ça. Hein, et puis très rapidement, parce que vous êtes dégourdie, vous trouvez du travail comme secrétaire, en fait. Comme hein. Secrétaire, oui. Comme oui. Secrétaire. Et puis très rapidement, arrive... Mon époux. Enfin, à l'époque, ce n'est pas votre époux. À l'époque, c'est homme. Un instituteur au Maroc, Antoine Giacomoni. Antoine Giacomoni, qui était au Maroc déjà depuis 6 ans. Comment, qu'est-ce qui se passe? Il vous remarque? Vous le voyez où? Il m'a remarqué. Il vous remarque et puis... Il remarque, il me demande en mariage, immédiatement. Au bout de quelques semaines, il me demande en mariage. Et je lui demande de réflexion. Et il part chez mes parents demander ma main, comme ça se faisait à l'époque. Donc il quitte le Maroc, il va jusqu'à Bigorre, donc pendant les vacances, il va à Campiter, le demander à mon père de me laisser. Et alors la réponse, là? Mon père dit, je suis d'accord, mais il faut que vous appreniez à vous connaître, au moins pendant un an. C'est ce que nous avons fait, nous avons appris à nous connaître pendant un an. Si vous êtes d'accord pendant un an, vous vous mariez. Je vous donne mon autorisation de mariage. Apprendre à vous connaître, sauf... Sauf... Intimement. Oui. Donc pendant un an, avec Antoine, vous allez vous fréquenter, vous allez vivre comme un couple. Mais comme des amis.
Et un an plus tard? Un an plus tard, nous nous marions à Azrou. Au Maroc? Au Maroc. Sans nos parents, puisque c'était trop cher pour qu'ils viennent assister au mariage. Donc là, c'est les seuls invités du mariage? Ce sont les seuls invités du mariage. Il y a le consul, avec la secrétaire du consul, son épouse, les témoins et l'inspecteur avec lequel j'ai travaillé. Vous êtes heureuse, là? Très heureuse, oui. Oui? Oui. Mais très heureuse, d'autant plus qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, justement. C'est ça, cette maison-là, ce salon de thé pâtisserie qui est tenu par les Grisognes. Oui. Vous le fréquentez et ça va être la naissance d'une belle histoire, là. Ça va être la naissance d'une belle histoire, toujours basée sur une question de confiance. C'est quoi comme affaire, ça? Alors, c'est boulangerie, pâtisserie, objet d'art. Objet d'art. Salon de thé, objet d'art. Vous le dites simplement, mais les objets d'art qu'il y a là, c'est, il y a des fortunes, en fait. Ah oui, il y a des fortunes, oui. Nous avions même l'honneur d'avoir le Palais Royal qui venait. Carrément. Carrément. Et eux, donc, ils décident de s'en aller et... Ils décident de rentrer en France pour rejoindre leurs enfants. Et ils me proposent la direction de cette affaire. Vous avez quel âge, vous? 19 ans. J'hésite un moment parce que je ne savais rien faire de tout ça. Mais ils m'ont dit, voilà, nous vous faisons confiance. Nous savons que vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de souci. Ils m'ont donné les clés de leur affaire. Que vous allez faire fructifier. Que j'ai. Tant et si bien que j'ai mis ces photos-là. C'est la grande vie qui suit, hein, voilà, au Maroc. Hein. Exactement. Foyer heureux avec la votre époux, avec Antoine, bien sûr. Antoine, Jean-Marie, mon fils, mon premier fils, et Hélène, ma fille. Et puis au milieu, j'ai mis la photo, les tilleuls, parce que ça, c'est important. Les tilleuls, c'est l'hôtel de restaurant de la nuit où nous allions tous les soirs, pratiquement. Tous les soirs? Pratiquement tous les soirs, dîner. Danser, jouer aux cartes, enfin. C'est la belle vie. Se distraire. La vie est belle à ce moment-là. La vie est belle, la vie est très belle. Et curieusement, nous avons beaucoup travaillé, mais on ne ressentait pas le travail. C'est-à-dire, le travail, c'était une joie. On allait travailler en chantant. On n'était jamais fatigué. Et puis arrive l'année 1969. Et l'année 1969, alors je ne sais pas si ça passe par votre esprit ou si c'est celui de votre mari, mais vous décidez de rentrer en Corse. C'est celui de mon mari. Pourquoi? Parce que nous avons discuté ensemble et il aurait fallu que nous restions au Maroc, mais nos enfants devaient... Nous étions à un endroit où il n'y avait pas de lycée. On ne savait pas si on allait pouvoir leur assurer la scolarité jusqu'au bac. Donc nous avons réfléchi et nous avons pensé qu'il était plus préférable de rentrer pour leur faire suivre des... Et donc? Et donc nous décidons de rejoindre la Corse. Et vous arrivez dans un premier temps à Ajaccio. Et je l'ai matérialisé de cette façon. Quand vous arrivez en Corse, on est en 1969, bien sûr, hein, vous quittez le Maroc. Et en fait, ça vous fait quoi comme impression d'arriver en Corse en 1969 à Ajaccio? J'arrivais dans un pays moyenâgeux. L'état d'esprit des gens n'était pas ouvert vers l'extérieur. Et les premiers mois, j'ai beaucoup pleuré. Un exemple, là on vous voit en jupe. Quand vous arrivez, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre belle-mère? Ma belle-mère me dit qu'il n'était pas possible de porter le pantalon. Que si je me rencontrais avec le pantalon sur le cours Napoléon, il fallait que je change de trottoir. Waouh, l'arrivée. Donc, je changeais de trottoir. Quand elle passait à droite, je passais à gauche. La violence. Bien qu'on se voyait après, en arrivant à la maison, bien entendu. Mais il ne fallait pas qu'on vous voie comme ça. Il ne fallait pas qu'on me voie comme ça. L'œil des autres comptait énormément. Votre mari, lui, réagit, hein, il n'est plus instituteur. Il est un des premiers employés au Crédit Agricole. Il fait partie des 40 premiers embauches au Crédit Agricole en Corse. Hein. Oui, c'est ça. Il avait, je crois que mon mari avait le numéro 14, 13 ou 14. Un truc de fou. Tout va bien, j'ai envie de dire, jusque... Ben, déjà, vous commencez par perdre votre papa. J'avais 27 ans, quand papa est décédé. Ça vous a marqué? Ça m'a beaucoup marqué, oui. Ça a été mon premier grand chagrin. Et puis le deuxième grand chagrin va arriver peu de temps après. Oui, peu de temps après. Qu'est-ce qui se passe? Mon époux décède subitement d'une crise cardiaque en comité d'entreprise, Crédit Agricole. Alors qu'il a quel âge? 39 ans. 39 ans. Ça a été un choc terrible pour moi-même et pour les enfants, bien entendu. Vous êtes à Ajaccio. Je suis heureusement, arrivée. Vous aviez commencé un travail
dans de la mutualité. Voilà, j'avais commencé le travail en mutualité. Au Mutuel de France. Et après le décès de votre époux, vous allez travailler, j'ai envie de dire d'arrache-pied, non ? Vous allez d'arrache-pied, vous consacrer... oui. Hein ? J'allais me consacrer totalement. Cœurs et âmes. Cœurs et âmes, aux enfants et au travail. Et vous allez monter comme ça, les échelons, jusqu'à vous retrouver... aux côtés de Louis Calisti, le président de la Fédération des Mutuelles de France. Fédération des Mutuelles de France. Vous êtes au centre, hein, on voit, voilà, hein, Dominica Giacomo Ogni. Oui. On rappelle quand même ce que c'est que les Mutuelles de France. Le service mutualiste est né en 1936. Oui, c'est ça. Hein, le service mutualiste, à la base, c'est pour les ouvriers, puis après, ça va s'ouvrir à tous, ouais, les, corps, ouais, de tous les corps de métier. Les mutuelles, services mutualistes, les Mutuelles de France, ça crée quand même le tiers payant. Le tiers payant, les soins pour tous. Les soins pour tous, les œuvres sociales. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, oui. Et qui est effectivement, en 1945, en concurrence directe avec la sécurité sociale. Ça n'aurait pas dû être ça, mais ça a été ça. Et alors que la sécurité sociale vient de naître, vous, les Mutuelles de France, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovations. Exactement. Et on va voir une de vos innovations. C'est celle-ci. La carte santé. Qu'est-ce que c'est ça, Dominica ? Alors, la carte santé, c'est la carte qui est devenue aujourd'hui la carte vitale, qui est à la portée de tout le monde. Mais les prémices de la carte vitale, c'est ça, c'est la carte santé. C'est nous, c'est la Fédération des Mutuelles de France qui l'ont mise en place sur une partie de la France et qui devait s'étendre sur tout le territoire, plus l'Europe et peut-être même dans certains autres pays dans le monde. Et la carte a marché. Elle a marché chez les médecins et chez les pharmaciens. Elle a effectivement marché, ce n'était pas fictif. Graziani, Giacomo, Dominica, on voit que ça marche, hein ? Oui. Sauf que ben, ça ne plaît pas à tout le monde, ça, ça Dominica. Ça ne plaît pas à tout le monde, non. Et on vous met rapidement des bâtons dans les roues, en fait. Dès que la carte santé a fait ses preuves, on a pensé qu'il ne fallait pas que ce soit la mutualité qui soit à l'initiative de ça. Et des forces se sont mises en route pour nous contrecarrer. Il fallait que ça soit la sécurité sociale, en fait. Il fallait que ce soit la sécurité sociale qui va sortir sa carte vitale, qui est l'exact modèle de ça, en fait. L'exact modèle, il n'y a eu que le changement de... Nous, c'était la famille, et la carte vitale, elle est sobre. Et ça, il va y avoir un âpre combat qui va vous coûter cher, oui. Vous, Dominica. Qui va me coûter le fait que je n'ai plus pu travailler en mutualité. C'est incroyable. Je n'ai pas été la seule. Évidemment, nous étions une équipe, quand même une équipe. Je n'ai pas été la seule, mais enfin, nous avons été quelques-uns à être rudoyés. Rudoyés et mis de côté, tant et si bien que très rapidement, vous perdez tout ça. Voilà, très rapidement. Toute cette vie sociale, on vous voit là avec l'écharpe, vous êtes, à l'époque, vous êtes conseiller municipal. On vous voit avec les femmes de Castelluccio. Oui. On vous voit avec... c'est quoi en haut ? Les femmes que j'amène au congrès mondial de Berlin, au congrès des femmes. Congrès des femmes, c'était un mouvement féministe hein, à oui, l'époque, hein, c'est ça. Hein. Où il y avait Mme Simone Veil, Mme Gisèle Halimi, enfin toutes celles qui étaient pour la promotion de la femme à l'époque. Et ce combat Marie-Claude est assez... Vaillant-Couturier qui est là d'ailleurs en haut. Ah oui, à côté de vous Marie-Claude Vaillant-Couturier, bien sûr, là, ouais, effectivement. Nous honorions Daniel Casanova. Et le combat est à ce point rude, comme vous dites, que ça vous coûte, ben ça vous coûte tout en fait. Vous perdez tout ça en fait. Je perds tout, oui. Je perds mon emploi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me retrouve du soir au lendemain sans sécurité sociale, sans mutuelle, sans assurance. Alors que j'ai été à l'initiative de la création de tout ça. Heureusement, Dominica, vous allez savoir rebondir. Et c'est pas là qu'on va en parler, votre bon. On va en parler dans une autre pièce. Vous venez avec moi ? D'accord. Allez. Dernière pièce, Dominica, et vous allez me permettre un petit retour en arrière quand même. D'accord. Hein, sur cet écran, ça va vous rappeler quelque chose, ça. Je suis en Afrique. J'ai été à la rencontre d'un monsieur qui s'occupait des affaires de santé auprès des ministères.
Et il m'avait sollicité pour la création d'une école d'optique. Exactement. Vous allez voyager avec les mutuelles de France, presque tout autour de la planète, en tout cas souvent en Afrique. Avec les mutuelles de France et même seul. Et à chaque fois que vous serez dans un pays comme ça, vous allez prendre soin de faire un geste. J'achète des pierres et des perles. Beaucoup de pierres, beaucoup de perles. Ce qui fait que quand j'ai parlé de rebond tout à l'heure, mais votre rebond, il va passer par là, la preuve. Voilà, là, je suis en train d'étaler les perles que j'ai avec une amie vietnamienne qui travaillait pour les grands couturiers. Parce que toutes ces perles, et Dieu sait qu'il y en a, hein, vous en faites des colliers. Celles-ci viennent de Mauritanie. Systématiquement, vous faites des colliers que vous vendez où ? Dans les hôtels ou avec le bouche à oreille. Et ça se vend bien d'ailleurs. Ça se vend bien. Et ça va vous aider énormément. À tenir le choc. Vous continuez d'ailleurs, le collier que vous avez sur vous là, montrez-moi, c'est un collier, c'est l'une de vos créations. Oui. Donc ça vous a permis de tenir le choc. Et il y a autre chose qui vous a permis de tenir le choc, Dominika. Oui. C'est la foi, oui. Vous avez la foi ? J'ai la foi, oui, depuis toute petite. Depuis toute petite, vous avez cette foi, oui. Effectivement. Mais la foi, à un moment, cette foi-là, en tout cas, la foi catholique, la foi chrétienne, ne vous satisfait pas pleinement. Et au cours d'une discussion, un jour, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, je rêve d'une langue universelle. Je rêve d'un monde meilleur pour tout le monde. Je rêve d'un tas de choses de cet ordre-là. Ce qui coïncide avec votre travail, la mutualiste, bien sûr. Et quand vous en parlez autour d'une table, il y a quelqu'un qui vous dit... Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit, êtes-vous au courant qu'il existe une religion qui porte toutes les valeurs que vous êtes en train de dire ? Moi, je ne suis pas au courant non plus, Dominika. Je dis, moi, je ne suis pas au courant. Il dit, si vous l'acceptez, je vais vous mettre au courant. Et alors, pour nous mettre au courant tous ensemble, on va venir vers cet écran ? Vous allez aller à Haïfa, en Israël, ici. C'est là que je découvre la foi Baraï, donc. La foi Baraï. Baraï, qui est née il y a 200 ans en Israël. Voilà. C'est là que je découvre qu'un nouveau monde pourrait exister demain, un monde meilleur au service de tous. Dominika, est-ce qu'on soit bien clair ? Là, on parle d'une religion, on ne parle pas d'une secte. Ah non, une religion. Une secte, on ne peut pas en sortir. Quand on est dedans, on est enfermé. Une religion... On rentre et on sort comme on veut. Et surtout, la foi Baraï, c'est le mausolée du Bab, c'est ça ? Le mausolée du Bab, c'est ça. Où est enterré le... Le Bab, le précurseur de la foi Baraï. Il y a 6 millions de gens, 6 millions de croyants dans le monde. On dit croyants quand même, bien sûr. 9 millions. J'en étais resté à 6, moi. Et cette religion, elle proclame effectivement... Alors, je ne sais pas si c'est des commandements. Toutes les valeurs. Toutes les valeurs qui vous sont à cœur, et on les a matérialisées comme ceci. Impeccable. Voilà, l'unicité. L'unicité de toutes les religions. Monothéiste, voilà. Et l'unicité aussi ? Du monde, de toutes les races humaines. Toutes les races humaines. On le voit là d'ailleurs, hein, vous êtes là-bas, vous êtes au milieu, on voit des blancs, on voit des moins blancs. C'est une religion aussi qui... L'unité dans la diversité. Pas de différence entre les hommes et les femmes. Pas de différence entre les hommes et les femmes, au contraire, égalité en toutes choses. La science et religion. On peut se mêler de science et de religion. C'est même recommandé. Oui. Donc, vous trouvez vraiment... Je trouve là ce que je n'ai pas trouvé dans la religion catholique. Et je trouve là, il n'y a pas de prêtre. C'est-à-dire que chaque individu apporte ce qu'il peut à l'amélioration de... Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en plus de découvrir cette religion Baraï, vous découvrez qu'il y a des croyants en Corse. Il y a une vingtaine de croyants en Corse. Vous êtes une vingtaine, oui. Effectivement. Une fois de plus, vous vous jetez corps et âme dans cette religion ? Oui, parce qu'elle correspond totalement au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une des seules religions qui apporte dans ses préceptes l'économique et le social, en plus du spirituel. Ça vous correspond en tout point. Et c'est important, la religion, surtout face aux épreuves de la vie qu'on vient de voir avec vous, et celles qui sont arrivées aussi peu de temps après cela. J'ai vu cette photo. Mon fils, ma mère et moi. Je suis émue. Parce que mon fils nous a quittés il y a à peine 15 mois. Et ma mère, à moi. C'est une partie de moi-même qui s'est envolée. Et c'est grâce à la foi que j'ai résisté.
que je résiste. C'est grâce à la foi? Oui, aussi bien pour ce décès que pour ma chute professionnelle. Et grâce à la foi, et grâce aussi à autre chose. Oui. Et venez, on va regarder là. Chose. Grâce à ça aussi, Dominika. Grâce au chant, à l'art. Saint-Érasme. Dans une église chrétienne, une église catholique à Ajaccio. Là. Ajaccio, où Stéphane chante avec le cœur de temps en temps. Le cœur lui permet de chanter un chant. La religion permet qu'on aille dans n'importe quel lieu de culte pour chanter, si on veut chanter une prière. Ce sont des prières universelles. Bien qu'elles soient baraillées, elles sont universelles. Et là, vous chantez dans une église, mais vous m'avez fait parvenir aussi des enregistrements. Vous chantez beaucoup, Dominika. Oui, c'est vrai. Ça vous aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, oui. Énormément, y compris pour me soigner, parce que le chant porte ses fruits même quand on est malade. Effectivement, celui qui chante, c'est pas n'importe qui. Non, c'est mon compagnon de toujours, depuis 20 ans, 22 ans exactement. On va finir avec ça. D'accord. On finit avec une photo? Allez. Allez, venez à côté de moi. Merci infiniment, Dominika. Ça a été un plaisir de retracer le parcours, votre parcours. C'était un plaisir pour moi. Je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et à bientôt. À très tout bientôt. Simplement, je vous fais la bise. Merci, et encore merci à toute l'équipe.